auprès de Dieu qui est mort depuis que Rockstar Moustachu l'a décidé. Mort autant que le nom des zombies dans un nanar de symbole. Et que le slogan a bien arrangé les hypos. Ils allaient pouvoir enfin écrire de se concentrer sur leur collier. Estomac. Trou de nez. Id. Non-whale. Chat. Et pour tout le monde, leur trou de balle. Et c'est là qu'on se l'attendait, se faire enculer les autres pour le profit. Gloire mainstream et les détunes monétaires, tout son branlant dans le corps d'être enculé, enculeur et participer. Les extrêmes se touchent comme des couilles ratatinées à moins de 15 degrés, et l'anarchie. Et les sens d'amour. Nietzsche, cette riche, a aussi annoncé que l'art était mort et que les artistes étaient des gros suckers. Mais là, les hypos n'ont pas retenu la leçon. Donc, de ce pro-illuminati, une gueule de plus à côté de Saint-Debord, Saint-Vicious, c'est sans oublier Saint-Calmir. Il a tous les communes obligatoires auprès des banques. La santé n'est pas une réalité de ce monde de merde, RS. Inaccessible que le dernier coin VIP. Pour les crevards d'un club secret, Select Paris. Comme le Silent Show, le club merde à carte VIP à demi-boule par mois. La santé n'a rien à voir avec le tranche de merde quotidienne. Et en acceptant que l'art et Dieu soient encore vivants, et que le spectacle ultime et mental et les religions toutes, énormes blockbusters en 3D. Alors, on peut réfléchir dans un fauteuil devant un écran plan, déconnecté du réseau de merde de Facebook et Google Google en pleurant tranquillos du popcorn et des pipas. Contempler sa pensée, sa dépensée sur cette putain d'idée de sanité. Ok. Les saints auraient vécu sur le territoire des vivants. Une mort de vivant, le succès des messes zombies à UGC MK2 en atteste. Et qu'il y a même de la parade des zombies maintenant. Les saints et les saintes, ce sont des hommes et des femmes qui auraient marché, auraient réalisé leur chemin, pas le métro en cadeau ou l'eau. Ils se seraient mis en mouvement et progressivement, ce mouvement, ils auraient porté jusqu'à Saint-Dieu. Par rapport à un cube plus absolu. La seule chose c'est d'accepter de se mettre en mouvement, en marche, en tant que cube. C'est accepter de se remettre en cause et de se laisser interroger par la parole du super dieu et du super cube. Celle des autres, celle des événements. C'est s'engager à la suite des superdudes dans une histoire de renouvellement du monde et de la sienne. Accepter la douille et apprendre à jeter ses carapaces. Une bonne gare nous apprend à changer d'armure. Mais croire une promesse, la vie physique est plus forte que la vie mentale. Par le torrent d'amour qui vient de tous les super saints. Les super dudes et les super dieux. La sainteté d'un dieu ou le dudisme d'un saint n'est pas dans une perfection à imiter ou à reproduire, mais davantage dans un compagnonnage avec lui et celui
qui tu veux, ne casse pas les prologues, qui est venu nous visiter comme E.T. The Thing, one. The Thing, two. Et bientôt, Alien 5. On t'a fait connaître, ô crevard. Confiez bien. Ce que plein de super yeux réclame de toi. Rien d'autre que remplir la justice. Le bien. Les bonnes actions. Aimer avec tendresse. Choquer avec amour. Et marcher. En commun. Avec ton super dieu. Et avec tous ses potes. Maintenant, ici, no, here, pense à tes amis, pense à ta famille morte, parce que mort, priez pour les vivants, ils ne veulent plus être des dieux. Sur ce, je vais balayer devant ma porte, le Tao a pissé sur tous les paillassons.